Bonjour tout le monde, je vous souhaite à tous une bonne heureuse année et surtout une bonne santé. C'est le moment, je crois qu'on est en plein dedans. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que voilà, j'avais pas envie d'en faire et puis voilà, j'en fais une aujourd'hui parce que ce matin j'ai entendu quelque chose aux infos. Qui m'attriste parce que franchement, entendre dire Monsieur le Président Macron dire qu'il allait, c'est ses propres mots, hein, il allait emmerder les non-vaccinés. Moi, je me pose une question. Qu'on pousse les gens à se vacciner, bon, chacun fait ce qu'il veut, s'il veut être vacciné. Il se fait vacciner. Mais celui qui ne veut pas, faut pas le forcer, faut pas l'obliger, et faut pas les embêter. Ou les emmerder, comme dit M. Macron, notre président. Moi, voilà ce que je pense. Ce que fait notre président, c'est contre les droits de l'homme, contre la liberté de choix, contre. Contre tout ce qui se passe dans notre pays, parce que moi j'adore mon pays, j'aime mon pays, la France, je ne comprends pas comment que un président peut oser dire qu'il allait emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors moi je vais dire quelque chose à Monsieur le Président, en tout respect. Parce que moi je le respecte, même lui s'il ne nous respecte pas, moi je le respecte, en tant que président et en tant qu'homme. Monsieur le Président, je vous préviens, vous dites que vous allez emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés. Mais moi je ne veux pas me laisser faire. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire. On a le droit de décider pour nous ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. D'accord? Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de faire un truc comme ça. Vous n'avez pas le droit de dire que vous allez emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés. Moi, je ne suis pas vacciné. Je ne serai pas vacciné. J'ai bientôt 60 balais et moi, je ne veux pas qu'on vienne m'emmerder. D'accord? Maintenant, monsieur le Président, en tout respect que j'ai pour vous, en tant qu'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en tant que président, vous êtes notre chef. De l'État, et je trouve inconcevable ce que vous dites là. C'est horrible ce que vous dites. J'ai l'impression que notre pays devient une prison. Carrément une prison. Vous voyez? C'est ça. Moi, je ne sors plus dans les magasins. Je ne vais plus du tout dans les magasins. Parce que ce que je vois, ça ne me plaît pas. Je vois les gens qui sont obligés de faire des choses, machin, truc et tout. Ça ne me plaît pas. Je n'ai jamais rien dit, mais ça ne me plaît pas. Je trouve horrible qu'on atteint à la liberté d'expression, à la liberté des gens. C'est horrible. Je ne sais pas ce que les gens vont penser, ce que je vais dire. On va peut-être me critiquer, on va peut-être m'emmerder comme monsieur. Macron a dit, mais je ne veux pas me laisser faire. J'ai pas l'intention de me laisser faire. J'ai 60 balais. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Il peut essayer s'il veut. Mais si moi je tombe malade du jour au lendemain avec le Covid, eh ben tant pis, ça serait de ma faute. Mais qu'on vienne pas m'emmerder. C'est ma liberté de choix. Il faut qu'il comprenne bien que c'est la liberté de choix qui compte. C'est pas dans ce qu'il dit. Parce que pour ce qu'il a dit qu'il allait nous emmerder, ben alors là, emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés, non mais où est-ce qu'il va? Il ne va pas non plus nous mettre un flingue sur la tempe pour qu'on se vaccine? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du fascisme? Wow, faut pas déconner là. Alors, Monsieur le Président, je voudrais que vous fassiez un truc. Vous excusez, non, parce que je sais que jamais vous allez vous excuser. Mais au moins donner une explication dans ce que vous dites.
et reformuler votre pour moi c'est un ordre, votre ordre, hein, parce que là franchement c'est trop emmerdé, vous rendez compte, emmerdé pour un président, des mots comme ça dans la bouche, emmerdé, non mais ça va pas. D'où il sort ce président là? D'où vous sortez, monsieur le président? Vous devrez montrer l'exemple à notre pays. Et c'est pas ce que vous faites. Vous poussez les gens à la violence. Vous poussez les gens à la colère. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Vous êtes un président, vous devriez donner l'exemple. Et c'est pas ce que vous faites. Sur ce, même à vous, je vous souhaite une bonne et heureuse année et une bonne santé. Comme à vous, comme à tout le monde. Maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine.